Le chapelet des morts. Approuvé et béni par le pape Pie IX en 1873. Méditation du groupe 2. Très chers priants, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Origine. Le chapelet des morts a été composé par Monseigneur Plantier, évêque de Nîmes, en faveur des âmes du purgatoire. Il a été approuvé et béni par le bienheureux Pie IX en 1873. Le chapelet des morts de l'archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage se compose de 4 dizaines, c'est-à-dire de 40 grains, en souvenir des 40 heures qui ont précédé la résurrection et en rappel des 4 fins dernières des évangiles. Les papes Pie IX et Léon XIII ont attribué de nombreuses indulgences à ceux qui le récitent régulièrement, et davantage aux adhérents de l'archiconfrérie de Notre-Dame du Suffrage de Nîmes. La prière du chapelet des morts se base principalement sur le psaume 130 des Profundis, du chant latin Requiem Aeternam, d'oraisons jaculatoires et de courtes invocations. Par fidélité au Saint-Rosaire, j'ouvre ce chapelet spécial par le Credo, le Pater, trois Ave Maria et le Gloire au Père. L'archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage de Nîmes existe depuis 1857. Vous pouvez les contacter pour vous procurer le chapelet aux morts et pourquoi pas adhérer à l'archiconfrérie, soit en écrivant à l'évêché de Nîmes, 3 rue Guirand, BP 81-455, 30017, Nîmes CEDEX 1, soit par téléphone au 04-66-36-33-60. Situés en France métropolitaine, les catholiques du monde entier sont les bienvenus. Chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 130. De profundis. Des profondeurs de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur. Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Seigneur, écoutez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Amen. Deuxième groupe. Notre passage en Dieu. Première dizaine. La mort. Bienheureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leurs travaux, dit l'Esprit, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse de Saint Jean 13-14. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Deuxième dizaine. Le jugement. Tous, il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun soit rétribué pour ce qu'il a fait de bien ou de mal pendant sa vie. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5-10. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Doux cœur de Marie,
consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent. Priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Troisième dizaine. La purification. Rien de souillé n'entrera dans la cité sainte. Apocalypse de Saint Jean 21-27. L'œuvre de chacun apparaîtra. Le jour du Seigneur la fera connaître, car il se manifestera dans le feu, et ce feu prouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 3-13. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Quatrième dizaine. Le ciel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Évangile selon saint Jean 14, 3. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Doux cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes abandonnées du purgatoire. Amen. Oraison. Requiem aeternam. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle brille sur eux sans déclin. Dieu, il convient de chanter tes louanges en Sion et de t'offrir des sacrifices à Jérusalem. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle brille sur eux sans déclin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.